c'est l'histoire d'une rencontre étonnante, ou plutôt détonnante. Celle d'un vignoble mondialement connu, avec un homme hors du commun, Michel Chapoutier. Il est impossible d'aborder la rareté de l'un sans se rapprocher de l'intimité de l'autre. Marius, mon arrière-grand-père. Le regard coquin, le ventre gourmand, pas un gars que ça vire. C'est pas qu'ils prennent des fromages aussi. Comté, Brie, un truc comme ça. Et là, ça nous fait combien au total ? 5 hectares là, plus les 4, ça va faire déjà une dizaine d'hectares. Michel Chapoutier, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Tout ça comme ça. Allez, oh, champagne. Et ça donne quoi comme différence au niveau des vins, ce type de sol par rapport à l'Ermitage? Ah mais ça dépend parce que l'Ermitage c'est la seule parcelle au monde, le seul endroit au monde où il y a les quatre âges géologiques visibles. Quand on regarde là, là-bas on voit l'Ermitage, hein. C'est une partie granitique. Puis on va plus loin, vers l'est après. Alors granitique c'est l'époque primaire. On va plus loin, on va avoir le secondaire, puis le tertiaire, puis le quaternaire. C'est-à-dire que l'Ermitage, c'est le seul endroit connu sur la planète où en si peu de place, on va passer du primaire au quaternaire, mais vraiment visuellement. C'est pour ça que l'Ermitage, c'est le plus grand vin au monde, le plus grand vin au monde. Bon, ils le disent dans toutes les régions, la différence chez nous, c'est que c'est vrai. Les autres sont des menteurs, bien sûr. Le potentiel de qualité ne se fait que dans la vigne, jamais dans la cave. C'est-à-dire que le travail à la vigne crée le potentiel de qualité et à la cave, on ne peut que transformer un potentiel en qualité, mais on ne peut pas créer de la qualité. Et je disais, à la vigne, on crée la hauteur de l'échelle et le vinificateur monte à l'échelle. Il n'ira jamais plus haut que l'échelle. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un monde où lorsqu'on parle de vin, on parle toujours d'œnologie et pas d'agronomie et pas de viticulture. En deux mots, Michel, en deux mots, biodynamique. Ah, Michel, en deux mots là. Marche.
Marshall, tu sens la souplesse du sol ? Tu marches sur de la moquette. T'imagines ? Alors, après, il faut faire une différence entre le chimique ou conventionnel, le biologique et la biodynamie. Le chimique, c'est j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine. C'est-à-dire, je vais traiter le symptôme. Le biologique dit, j'ai mal à la tête, mais je ne vais pas prendre la molécule chimique. Je vais prendre une molécule, l'origine de la molécule chimique, la molécule naturelle. Biodynamie, c'est, j'ai mal à la tête, pourquoi ? Est-ce que j'ai trop de tension ? Est-ce que j'ai trop de cholestérol ? Que puis-je faire ? C'est-à-dire que là, je deviens préventif et je vais m'obliger à trouver les moyens qui vont éradiquer la glissade. C'est-à-dire que je ne suis pas curatif. Des goûts différents avec le même cépage. C'est-à-dire qu'on a même viticulture, même vinification, même millésime, même cépage. Il y a 100 mètres de là à là, deux produits complètement différents. La Syrah va s'exprimer ici, sur le côté granit. On va sentir le caillou, la pierre, la pluie d'été sur le caillou. Hein, cette odeur, la pluie d'été, là, ça commence à... Côté qu'on appelle physique, côté... Voilà, côté pierre physique, ozone, graphite. Et là-bas, on va être sur des arômes beaucoup plus fruits, mûr, confiture de mûr, cassis. Et c'est tout est identique, seul donc le côté champ. Minéral sera davantage. La minéralité, oui. Ce sera davantage du côté du granit. Ouais, c'est du côté du granit. Hein. Donc cette année, on fait bien sûr les 2008 en premier, et les 2009 en second. On est d'accord ? Oui, c'est ce qu'on va faire. Tu me sors toutes les autres bouteilles de rouge, là, s'il te plaît, pour que ça soit des températures décentes, parce que là, on ne peut pas travailler correctement. Ou alors, on déguste l'après-midi. Pour moi, c'est du pape, c'est du grenache. Ouais. C'est déjà en couleur. Ça va presque pinoter. Bah, ça pinote, hein. Ouais. Bah, c'est correct, ça. Hein. Suivant. Au service de la gastronomie, ça faut. Et je pense qu'il est regrettable dans notre métier qu'on n'ait pas eu la bonne idée d'imposer des cours de cuisine dans les écoles d'œnologie.
on a de plus en plus, mais j'insiste sur de plus en plus, on peut dire une grande majorité d'œnologues qui font des vins et qui ne sont pas des gourmands, qui font des vins qui sont incapables d'être mariés avec un mets, ou qui font des vins de plus en plus des puissants qui n'ont aucune aptitude d'harmonie avec un mets. C'est quoi un mariage? C'est bien une recherche de complémentarité. Le mariage raté, c'est lorsqu'il y a un rapport dominé-dominant. Le mariage réussi, c'est lorsqu'il y a un rapport de complémentarité. Donc si le vin est fait pour être marié avec un mets, on doit garder en tête que le vin doit avoir de la texture, le vin doit avoir de la saveur. Beaucoup de gens sont obsédés par le fruit, par les arômes. Moi, les arômes, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en vinification, on va quasiment brider les arômes pour donner de la longueur, donner de la race au vin et de l'aptitude à se marier. Ce qui me paraît important, c'est que les saveurs et la texture soient présents. Le fruit, je dis souvent, le fruit est au vin, ce que le disco est à la musique. Quand les gens parlent de fruit, oui, pour des vins à 3 euros, pour les vins disco. Mais le fruit, franchement, pour les AOC, c'est pas du tout ça. On va y rechercher la signature du terroir et la texture. Au goût du chef, ça donne quoi le raisin comme ça, pris directement sur la vigne? Ça donne, on est déjà presque floral, hein. C'est étonnant. Hein. Effectivement, l'amertume arrive sur la fin de croque, en fait, sur la fin de bouche. C'est une découverte pour vous, tout ça? De se rapprocher de Michel, c'est comme si j'apprenais de conduire avec Schumacher, quoi. C'est un vrai bonheur. C'est quoi un mec performant, il ramasse combien de raisins à l'heure, Michel? Performant, ouais. 60 kilos, 30 kilos. À l'heure? Dans un lieu aussi super, comment on a envie d'aller en Australie ou au Portugal ou dans le Roussillon? Parce que quand on a commencé, on était très pauvres, on est toujours très pauvres. Et donc, on ne pouvait pas acheter des vignes connues. Donc très vite, l'équipe s'est spécialisée dans la découverte de vignobles inconnus, de terroirs inconnus. Pas exploité, en fait. Du casting. Parce qu'on arrivait, alors après, bien sûr, il y avait un petit peu d'Hermitage historique, on en a racheté après depuis, mais les prix étaient tellement élevés, très vite, on a dit, si on veut s'agrandir, et comme on connaît, on a une méthode pour décoder les sols qui nous est propre, ben peut-être, plutôt que d'être des suiveurs, on va être des pionniers. On va faire du casting de sol, c'est-à-dire qu'on va aller à tel endroit, et on va peut-être aller aussi dans les endroits où il y a déjà des vignes,
et essayer de décoder le sol d'une manière différente en disant bah, tiens, nous on va plutôt essayer de faire un vin comme ça ou comme ça. Les gestes se répètent, les millésimes passent, mais la maison Chapoutier surprend toujours. À force de travail et d'intuition, elle continue d'écrire son histoire. Fidèle à la devise familiale, la maison fait et espère.